Capitaine, capitaine, je crois qu'une flotte entière nous fonce dessus. J'en ai rien à foutre, je suis bourré, vas-y, rentre dans le tas, on s'en tape, moi j'ai pas que ça à faire, j'ai un stream là. Hey, bienvenue les amis dans ce nouveau numéro de The Big Gamowski. Comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, de l'action, du suspense et des boulettes. Oui, je reconnais le son de cette boulette particulière, c'est un HQ-1733. Ça arrive à perforer des triples blindages. Mais tout de suite, pour savoir si nous survivrons à cet affront, fonçons tous ensemble dans The Next Space, 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 Et oui, c'est pas facile de présenter des shmups. Hein. Les gens se leurrent assez souvent en se disant, mais... Alors, où c'est qu'on est? On est en 1900... Alors, faut pas que je dise de conneries. 1987, il me semble. Attendez, je vais lécher l'écran. On est bien en 1987, je confirme. Regardez-moi ce grain de pixels pur 8 bits qui en arrive sur ces 8 autres qui poussent. Donc on va arriver à 16 bientôt, dites donc. Bah, la puberté n'est plus très très loin. Un gameplay qui est somme toute éculé. Et un petit essai qu'il se doit de ce pas. Ai-je déjà mis le pad dans ce jeu? Non, 1989. Ouais, j'étais pas trop loin, vous me l'accordez quand même, les gars. Alors, des sous. Piu piu piu. Ok. Oula, oula, oula. On va se calmer. Alors. 2 secondes, je comprends là. J'essaie de comprendre. Alors pour l'instant, je n'ai toujours pas de méga tir de la mort qui tue. Ah si, mais alors c'est quoi ça? Oh, j'ai le droit de m'en servir tout le temps. Mais je suis joueur. Je suis. Sourire sur le bébé innocent qui sent si bon le savon. Juste avant de se... Hop, hop, hop. On ne gâche pas ce moment de plaisir. J'aimerais bien un tir un petit peu plus macho man. Si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça? Un tir en V? Oui. C'est comme ça qu'on les appelle. Parce que là, le tir auto-guidé, moi, je j'ai rien contre, mais c'est bizarre. Alors, c'est pratique. Mais voilà, c'est... J'ai l'impression que c'est pas moi qui tire du coup. Je fais qu'appuyer déclencher. C'est un peu l'équivalent de la boîte à rythme et du batteur, quoi. Eh oui. Là, il me fait un petit affolement quand même. Alors, ce jeu, pour 1989, mazette, les gens ont tenté la souplesse, et ma foi, c'est un pari qui paye. Donc, il a un nom complètement pourrable. Mais regardez-moi ça. Il y a plein d'options de tir à foison, on veut tuer, voilà. Il y a des patterns de boulettes bien casse. Non, c'est pas le bon nom. Bien pénible. Voilà, c'était ça. Bah oui, pénible, casse, ça commence par la même lettre. Je suis coincé dans le point, j'aime pas. Il va falloir que je fasse un autre t-shirt qui s'intitulera, pour aller avec le fameux papa derrière, c'est pas dans le coin non plus. Parce que voilà, ça arrive souvent quand même avec moi. Oh, je vais prendre ça. Oh, mais c'est un lance-flamme de l'espace. À quelle sauce je vais être mangé pour le boss? Alors là, je me chie un peu dessus. Voilà, bah, j'ai bien fait d'ailleurs. Parce que lui, s'il faut que je le défonce à bout portant, de toute façon, j'ai plus le lance-flamme. Donc c'est vite réglé. Chouette speed, ça va vachement mêler. C'est ce qu'il me faudrait. La méga bombe. Tu te rappelles? Did you heard the méga bombe somewhere? Oui, tiens-toi là. Tiens-toi loin. Non, 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 non. Ne te rapproche surtout pas. Je ne te veux pas. Tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas. On n'est pas fait pour... Noisette. Ça va être long, pénible, douloureux et plein de répétitions. Je m'en veux là. J'ai pas envie de mémoriser ce pattern de merde. Sérieux, faut pas me faire ça qu'à la fin. Il y a des rétros. Mais putain, on va pas arriver à passer le premier boss du premier tableau. J'en veux pas de ton bonus, dégage. Infirmière! Oui. Ah, juste un petit vaccin, allez. Je sens que ça va partir en couille. Allez, ah oui, ça va mieux. Everybody loves somebody.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme cafard dans ce jeu, dis donc? Alors, j'ai un tir qui... Ce jeu devait être pas mal parce que, en fait, avant de mémoriser quelle arme fait quoi, vous aviez un minimum de boulot. Je veux pas faire je veux pas vous spoiler. Donc, m'est avis que, en version console de salon, ça devait déboîter, quoi. Ça devait prendre toute sa valeur. Parce que là, en version. Bah, vous voyez bien que j'ai mal pour pas grand-chose, en fait. En version arcade. Alors, si le but c'est de faire un gouffre fric, oui, c'est très très bien réussi. Donc, pour le principe, il va être dans les sélectionnés, parce qu'il le mérite amplement. Par contre, non, hein, même en se remettant dans le contexte, on n'en est pas au point de dire chef-d'œuvre. Très très bon shoot, mais voilà. Alors, éventuellement, s'il y a des gens qui ont eu ce jeu sur leur console de salon et qui ont envie de commenter, welcome, parce que je pense qu'il est peut-être plus génial encore que ce que je dis, quoi. Pourtant, là, j'ai quand même l'impression d'être bien sympa avec lui. Ah, c'était un boss en carton. Donc, n'hésitez pas à poser vos commentaires sur vos propres expériences avec ces jeux que je vous présente. Ça fait toujours du bien d'entendre des opinions différentes, un petit peu. Oui, je sais, vous êtes choqués d'entendre cette phrase. En général, c'est ce qu'on n'entend jamais aux infos et dans les trucs politiques. Les gens qui s'inquiètent de vos opinions réellement. Mais bon, ne prenez pas cet air choqué, je ne simule pas. C'est non, j'ai vraiment envie d'entendre vos opinions, quoi. Donc si vous trouvez qu'un truc est encore plus génial que ce que j'ai dit, dites-le. Et si vous trouvez que je me trompe totalement sur une opinion que je donnerais sur un jeu, exprimez-le aussi. Moi, j'aime bien qu'on défend son beefsteak. Est-ce qu'on continue? Non, 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 non. Je ne suis pas très très bon à ce jeu ce soir. Je ne suis pas très très rétro. Ce qu'il me faudrait, ce serait une bonne ration de boulettes, mais bien dense. Et organisée de préférence. Genre un jeu facile, quoi. Donak Space, tu es validé et tu vas venir rejoindre les archives du shmup et les petites références qu'on aime à ressortir de temps en temps. Si vous vous ennuyez, regardez-moi ce qui arrive. Attends, je vais enlever l'écran du jeu quand même, il va me faire de la concurrence. Ici, vous avez les streams généraux de The Big Gamoski. Et là, si vous êtes vraiment, vraiment pas blasé des boulettes, bim, ben voilà, Bulletland vous tend les bras. À demain 19h, nouveau stream, ne le ratez pas.